Infrabel heeft in België 14 logistieke centra infrastructuur, kortweg LCI. Deze centra zorgen voor het beheer en het onderhoud van de spoorinfrastructuur. Ze bevatten de nodige materialen, uitrusting en logistieke ondersteuning voor de werkploegen die daar gestationeerd zijn. In wat volgt ziet u een concreet voorbeeld, het LCI van Bergen. Elke dag onderhouden 350 mensen het spoornetwerk van de provincie Henegouwen. Onze gids van dienst, Patrice Duvivier, legt het idee achter een LCI nog het beste uit. La philosophie d'un CLI est de regrouper l'entièreté de tous les services qui dépendent de l'infrastructure. Tant logistique, infrastructure voie, infrastructure électricité, donc haute tension, basse tension, signalisation, CFM, bâtiment, ouvrage d'art, tous les services de l'infrastructure. Voilà, ici vous êtes dans l'atelier du garage des Drésines, le service logistique. On y fait essentiellement de l'entretien, de la réparation de petits matériels à moteur. Donc tous les travaux qui sont faits ici s'apparentent un peu à de la mécanique générale. Donc on pourrait nous appeler le garage automobile sans voiture. On fait les entretiens, petits entretiens, gros entretiens, quelquefois éventuellement une casse. Ça, c'est les hicks de lavaux. C'est un peu comme partout dans le chemin de fer, le principe c'est de se rendre service aussi. Quand un collègue a du mal, aller lui donner un coup de main. Naast de verschillende afdelingen beschikt het LCI ook over een enorm magazijn. La gestion du magasin se situe dans le bâtiment qui est là, mais le magasin prend l'ampleur du site complet. Alors le magasin sert à donner des pièces, à délivrer des pièces à toutes les brigades de travaux qui dépendent du CLI. Les magasiniers gèrent l'ensemble du magasin, les approvisionnements, le stockage et la délivrance du matériel. Il y a une quarantaine de clients qui viennent chercher du matériel journalier. Et donc je sors à chaque fois ce qu'ils demandent, quoi. Et donc voilà, je tape le numéro de nomenclature qui est ici à l'écran. Le service va directement chercher le plateau qui est en face. Et par rapport à la localisation de la pièce, qui est indiqué sur l'écran ici, je suis directement allé chercher la pièce comme demande. Achter het Bergense LCI ligt een indrukwekkende opslagplaats. Hier worden allerlei materialen en machines gestockeerd, zoals bijvoorbeeld de wisselonderstopper. Cette machine est destinée à bourrer les appareils de voie. Les appareils de voie, ce sont tout ce qui sert à changer forcément de voie pour faire des croisements de trains, tout ça. Bourrer la voie, c'est introduire donc du ballast sous les traverses pour durcir la voie. Parce que la voie, en permanence, elle bouge. Et il faut toujours la remettre dans les paramètres techniques, pour que les trains puissent passer en toute sécurité. Ici, vous êtes sur le site arrière du CLI de Mons. C'est essentiellement le magasin. Vous voyez que c'est très vide parce que la zone vient d'être bétonnée. Mais ça va très vite se remplir parce que nous avons énormément de travaux, donc beaucoup de matériel qui est attendu pour la signalisation, la voie, le CFM, les caténaires, pour effectuer les travaux. Laten we een kijkje gaan nemen bij een van de mobiele werkploegen die dagelijks zorgen voor een vlot treinverkeer. Voilà, ici nous sommes sur la ligne 96 à la sortie de la gare de Mons. Le tronçon de voie fait 90 km/h. La brigade que vous voyez là est une brigade qui fait les entretiens d'appareils de voie. C'est un entretien régulier demandé par l'arrondissement. Op 7 oktober kan u het LCI bezoeken tijdens de open bedrijvendag. Mis deze kans niet.